Salut les amis, c'est Maurice, allez, on se retrouve sur les montagnards. Donc, comme je vous avais posé une question quand j'avais fait la présentation de la ferme Bryson, du coup, pour l'instant, je vais continuer mes vidéos sur les montagnards jusqu'à la fin de l'année, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin décembre. Et après, ah putain, donc il faut attendre, il faut que j'enlève les palettes. Je peux dire que j'ai des palettes à vendre au niveau, parce que j'avais accéléré le temps, parce que j'avais fait un live. Il va falloir que je récupère des sous, mais j'ai une autre idée sur les montagnards, vous allez voir, je vais vous en parler tout à l'heure, enfin après que je vous ai dit. Donc oui, donc ce que je... oui, voyez, en palette, vous voyez, ça a même poussé les palettes et tout, regardez, en palette, là j'en ai au moins deux remorques à emmener, regardez ça. Ça va nous faire beaucoup de sous-sous, et j'ai donc moissonné deux champs de maïs, donc on va faire le dernier ensemble. D'ailleurs, je vais remettre la machine en route, voilà. Allez, c'est parti, démerde-toi, voilà. Donc pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, je vais continuer sur les montagnards en solo. Et je verrai au mois de janvier si je continue dessus ou pas. Mais pour l'instant, vu les commentaires, apparemment vous êtes plutôt pour que je reste en solo dessus. Donc on verra bien à la fin de l'année ce qui se passera. Et j'ai une autre idée avant, donc j'ai une autre idée là, donc je vais finir. Je vais faire des réserves d'herbes, de maïs, qu'est-ce qu'il me faut pour les moutons, de l'herbe, alors je sais qu'il me faudrait de l'herbe en vrac, mais bon, de l'herbe en vrac, que ce soit, je ferai des bols d'herbe, je pense que ça devrait pouvoir les garder, je verrai, j'essaierai et j'espère. Attendez, merde, c'est pas là, je me suis planté. Du coup, oui, vous voyez, on s'est acheté un petit quad avec Maurice, regardez. Donc Maurice a fait, il a dit allez on achète un petit quad et tout, alors j'ai dit ouais Maurice on s'achète un petit quad, donc voilà c'est acheté un petit quad du coup. Alors attendez, on est où là, on est à 330, c'est bon, d'accord, vous voyez on a fait les... on est reparti à faire nos palettes et tout, après on amènera, donc je pense que le prochain épisode on ira, je sais pas, pas le prochain épisode, je pense que je vais essayer de bien bûcher sur cette ferme. Prochain épisode, ça sera sous la neige, parce que j'ai envie de faire, de mettre le mode saison, mais envie d'accélérer le mode saison jusqu'à l'hiver où il y a de la neige. Comme ça, je pourrais faire du déneigement. Ça serait sympa de faire une petite vidéo de déneigement et tout. Après, ben, je continuerai après avec le mode saison dessus. Du coup, mais tu vas arrêter au bout du monde. Non, pour l'instant, j'arrête pas au bout du monde. La ferme de Klaus, parce que vu comme c'est tout en Klaus, mais j'ai dit c'est trop long d'attendre sur. Sur au bout du monde d'attendre l'hiver, du coup j'ai dit genre on est en montagne, en plus montagne, la neige, voilà, vu comme nous on en a, s'en est tombé, bon ça s'est arrêté, mais bon après je sais pas ce qu'ils annoncent en fin de semaine, mais je crois que c'est du redoux. On va passer de la neige à du redoux, vous allez voir, on va arriver à Noël, il n'y aura pas une brin de neige. C'est con que le temps qu'il a fait aujourd'hui, ça aurait été bien qu'il fasse le lundi prochain, ça aurait été joli, à Noël sous la neige. C'est rare, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, nous. Et là, la neige est tombée, mais mon dieu, enfin, on verra bien. Du coup, pourquoi il a arrêté, lui? Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Qu'est-ce qu'il m'a fait, le Maurice? Qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Bah, ça marchait bien jusqu'à maintenant, pourquoi il a déraillé, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bah. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Je vais faire ça là? C'est ce qui nous a branlé là. Ah, pas bien la tête, non? Comment ça marche, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Ouais, je vais le remettre à la descente, je vais voir ce que ça donne. Marteau! Il est marteau, Maurice! Allez, c'est parti! Voilà! Donc, ah oui, tiens, je suis sur mon petit quad, d'ailleurs je voulais le ranger là-bas derrière. Recule. Voilà. 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 On va mettre à l'abri pour l'hiver.
Oui, on a acheté une Ben Brimo, du coup, ouais, on a été monté à plus de 500 000, et puis du coup, on a fait des frais, on a acheté la moissonneuse, on a acheté la barre de coupe, on a acheté une benne, donc on pense revendre la benne Legras, parce que voilà, elle est assez vieille. Donc du coup, voilà, ouais, donc je compte mettre le mode saison, faire une petite saison en hiver, vous voyez. Ce qui serait pas mal d'ailleurs, faire une petite saison en hiver où il y a de la neige et tu neiges un ou deux épisodes sur le déneigement, ça serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Et après, voilà. Après, bon, bah peut-être que je le renlèverai, le mode saison. Enfin, j'espère que ça ne me niquera pas toute la partie, mais ça peut être intéressant de faire ça, on verra. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, excusez-moi. J'étais en train de ranger quelque chose. Donc du coup, alors attendez, oui, j'ai vu, j'avais une balle qui traînait par là. Donc il faudra que je me refasse ben, de l'ensilage d'herbe et puis ben, je sais pas, de l'herbe en vrac, mais bon, il faudra que éventuellement je fasse des sous et que je peux stocker de l'herbe en vrac. Alors est-ce que j'ai un. Il me semble que je sais pas si je l'ai. Je sais pas si je l'ai pas désactivé. Ouais, parce que aussi on veut mettre aussi les pelets. On veut mettre le bâtiment des pelets. Je vais vous faire voir où c'est qu'on pense le mettre. Pour faire du pelet alors, ah merde, je le disais. Ah non, mais attends, il est peut-être non, non, voilà, c'est peut-être lui. Alors attends, lui, je crois qu'il prend, ouais, il prend tout. Normalement il prend de l'herbe, il me semble qu'il prend l'herbe. Ouais, il prend tout, de toute façon il prend tout, ouais, donc on pourra. Il vaut 10 000. Ah mais attendez, ouais, mais attends, faut qu'on regarde où c'est qu'on peut le mettre aussi, c'est pareil. Ah ouais, le plus plat ça serait ici, hein. Ah ouais, on finit et là on fout, là on le fout ici. Si on peut le foutre ici, on le met ici. Ah, le plus bas ça serait ici, hein. Ça peut être intéressant si on le met le long là. Ah, faudrait que je regarde ça, on fout ça comme ça, je stocke de l'herbe en vrac. Et ouais, nickel, nickel, nickel. Donc du coup, il faut de la paille aussi, il faudra qu'on fasse de la paille aussi, non? Parce qu'il faut qu'on les paille les oiseaux, non? Ah non, pour les oiseaux, tu leur donnes à bouffer, c'est tout, de l'eau. Ah, ouais. Ah bah non, on n'a pas besoin de paille, oui, c'est les moutons. Donc vous voyez, au niveau des. On est déjà pas mal plein. Alors ça donne quoi au niveau des moutons là? J'ai racheté du coup, on a fait 2 €. On est à 101 moutons maintenant, puisqu'on en a racheté 112 moutons, pardon. Et là on est à, ouais, vous voyez, tout est bien, nickel, impeccable. Donc voilà, il faudrait que. Ah mais si j'accélère le temps, il va falloir que j'arrête et que je les nourrisse, parce qu'autrement ils crèvent les bestiaux si vous les nourrissez pas sous le mode saison. Ouais. Ouais, mais j'arrêterai de temps, je les nourrirai un peu, je les avancerai. Ouais. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ouais. Je vais mettre là. Hein, on va le planter le. Ouais, nickel. Ouais. Comme ça, on peut se tenir un peu d'herbe. Il en est où le Marcel là? Ah mais il est bientôt plein. Attendez, on va monter dans le Fiat. Il a le Fiat, non? Mais non. Bah non, c'est pas le Fiat. Ah, le Fendt! Ouais, puisque le Fiat, nom de Dieu, bah, vu comme j'ai mis le mot réalistique. J'ai mis 2-3 petits trucs nouveaux pour rendre un peu la partie un peu plus intéressante. Bah, le gazier, voilà quoi. Vas-y Marcel, on monte. Voyez, déjà même le Fendt, il fait 220 chevaux et il a déjà du mal. Alors je dis pas, je montais à 3 alors avec le Fiat là. Donc j'ai déjà vendu une remorque de maïs, bon, qui m'a rapporté pas beaucoup, mais voilà. Et là je vais y stocker, donc j'en ai stocké une déjà, et là je vais stocker tout ce champ. Donc je pense que j'aurai plus d'une remorque. Je pense que j'aurai une bonne remorque, quoique. Ouais, si, j'aurai peut-être une bonne remorque quand même. Donc on a déjà une remorque 36 000, je pense que c'est. Ouais. C'est pas ce qui. Comme dit l'autre, c'est pas ce qui. Ça en passe pas tellement de la nourriture pour les lapins et les oies. Après, je vais vous faire voir où c'est que je pense mettre le bâtiment d'Apollet, là. Ce serait intéressant aussi. Donc, il faudra que je m'organise. Parce qu'on compte aussi vendre le plateau. Ah oui, on voulait aussi. Il faut qu'on regarde sur notre tablette avec Maurice. Parce qu'avec Maurice, on avait pensé une idée. Enfin, c'est Maurice qui a pensé. C'est qu'alors, attendez. C'est qui c'est ce camion de merde? Voilà. Alors c'est éventuellement de. Ah ouais, ils font tout. Ouais, ils font quand même. Ah, c'est d'acheter carrément un plateau. Parce que c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut tout mettre sur ce plateau.
Là, les chicken et Paul, les Apple et Bo, voilà. Donc, qu'on pensait, voilà, comme ça, pour aller vendre les palettes, combien ils mettent pas, combien de palettes? On met 8 palettes de laine. On met 12 palettes. Alors, on pensait revendre nos plateaux, machin, là. Combien qu'il vaut, ce machin? 6 000, on va le revendre. Et... merde! Oui. Voilà. T'es vendu. Et on va acheter tout de suite d'ailleurs le plateau comme ça, 19 000. Configuration de roue, on sait pas. Personnalisé. Alors, universal autonome, autonome, wood autoload. Oh putain, c'est quoi ce bordel? On va mettre universal autonome. Hein. Structure round ball, structure strain d'un jeu. Bon, on va mettre normal, standard. Stripping Edge ou je sais pas quoi. Matériau métal. Oh, tiens, on va mettre un peu en bois pour voir, non? Non, c'est pas beau ça. On va voir. On va acheter comme ça, on va voir. De toute façon, on a. Lui, il en est où là? C'est bon, il a le temps. On va aller zapper dans notre. Ah ouais, mais on l'a vendu notre semi. Ah non. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai pris peur. J'ai dit merde, on l'a vendu notre semi. Non, non, on l'a pas vendu. Du coup, alors, attendez, on va pas se faire chier à faire le. Hein, parce que c'est bon. Des allers-retours, comme dire l'autre, on en fait essai. En plus, je vais. Voilà. Hop. Donc voilà. Là, je vais vous présenter là où je pense mettre l'usine à Pelay. C'est le champ un peu plus. Le plus plat possible. Donc je pense que là, elle serait pas mal. Allez, du temps que l'autre il... Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est le champ que j'ai trouvé pas mal. En plus on est à côté de la concession. Bon. Ah ouais, ça fait un plateau blanc. Ouais, du coup on a acheté aussi une barre de coupe Guerin 9 repliable. Mais on va peut-être la vendre parce que on va peut-être... Alors attendez. On va la revendre peut-être parce qu'on a trouvé une barre de coupe classe qui va aller dessus. Il y a celle-là pour 22 000 et la Guerin 9 si on la revend 41 000. Ouais, donc on va la vendre et on va l'acheter la classe, ça rend mieux. Parce qu'on n'avait pas reçu encore hein, et on a 30 000, donc voyez on se fait un bénéfice en plus. Voilà, ok, retour, voilà, on va s'acheter la. C'est une barre de coupe pour plus hein, vous allez voir, sélectionner, acheter. Voilà, hop, vous allez voir, regardez, elle est là-bas, magnifique. Allez, du temps, nous, on va aller charger quelques palettes. Hein. Faudra qu'on s'arrête aussi pour voir. Ouais, c'est parti. Alors, attends, est-ce que... là, on a un good, je sais pas pourquoi c'est good, j'en sais rien, HP palette. Palette, big palette, bigger palette, hop, ouais, donc c'est bien ça, on fait les pommes avec. Je sais pas pourquoi il met good, j'en sais rien, very, very good, palette, on va voir. Allez, c'est parti, et après pour... après c'est... CU pour mettre en mode au chargement automatique. Attendez, donc du coup je vais enlever ça comme ça l'autre il est à 86%. Ouais, mais on n'a pas le temps de niaiser les gars, avec l'ours on n'a pas le temps de niaiser là. On est occupé, forestier, tout tout. On va essayer d'acheter la région, on est des fous, des tarés, des cinglés. C'est parti. Ah oui, je voulais voir si j'avais des... Pardon. Des palettes là, non, j'ai plus rien là, si. Ah si, attendez, j'ai des... Ah non, mais elles sont pas pleines, elles. Ah ouais. Attends, mettre ça. C'est où le bordel, là? Ah, voilà. Ah ouais, c'est à 33%. Et l'autre est à 87%. Ouais, donc... Ah ouais, on n'a qu'une palette, donc on peut en amener autant qu'on veut, là. On va, de toute façon, bon, on emmène et on en a. C'est en train de se faire. En plus, vous voyez, la trémie est pleine, donc. On va aller dans le... Hop. Il est où, l'autre? Il est là-bas, on va reculer. Pas de temps de niaiser les gars, pas de temps de niaiser les gars.
comme ça. Allez, c'est parti. Donc du coup on a acheté donc le champ 4, on n'avait pas bien le choix, c'est pour ça qu'on a quand même pas mal bouffé d'argent. Mais pour planter l'usine à pelet, en plus on pourra s'en servir, on pourra éventuellement stocker de la paille à côté carrément, comme ça ça nous aidera bien de... Voilà. Oh, je pense que ça va nous en faire une bonne remorque, ouais. Allez, on va aller à l'usine, on va charger, on va tester cette remorque, quoi. C'est la... On va mettre les gros quand même. C'est parti. Merde, je ne regardais pas où j'allais. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait que je vous fasse un épisode en montagne à déneiger, ça serait pas mal. Ouh, mais Doudou va doucement marteau, hein. Comme quand on dort au truck, mais moi il y a de la neige, je suis parti tout droit. Je pourrais plus tourner. Oh putain. Ah putain, je suis bien quoi. Ah non, j'ai cru. Putain, mais il braque rien ce machin. Alors faut dire que tu arrives à fond de bateau dans les virages, hein. C'est des virages serrés, même des épingles à cheveux. Pour que je loupe mon croisement comme il y a un. What the fuck? Il y a une directrice sur la... Ah ouais. Enfin, j'espère que vous allez bien. Bon, encore quelques jours et une semaine de vacances, ça va faire du bien, une petite coupure hein, pour les fêtes. Mais en profiter. Si ça me fait mauvais, au moins que ça tombe de la neige, comme dit à l'autre. Attends, fais pas trop le con, parce que ouais, si c'est après le pont, tu peux. Ouais, c'est ça, après le pont. C'est parti. On est parti pour la montée. Là, il y a une grimpette là comme dit l'autre. T'as tu. Carrément de grimpette là. C'est la ferme des cochons, je vous le rappelle. Ah, il en chie à la fin quand même hein. Le tatra. Et ça fait quand même un sacré bon bout de route hein. Oh là oh là oh là oh, oh ça glisse hein. Oh, oh, oh. Allez. On va aller voir ça. Oh putain, mais c'est qu'il y en a de partout les...
Alors normalement si j'appuie sur U, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon, nickel. En plus ça les prend. Ouais, un peu. Hop, 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 putain, nickel. Tac, 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 tac. Tac. Ah, c'est bon, ça les prend. Attendez. Ah bah c'est plein, non? Ouais. C'est plein. Ah, c'est déjà pas mal, alors ça fait des bons chargements, moi là. Bon, quand je vais arriver là-bas, je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, je vais le laisser là. Il en est où, Marcel, là? Et à 86% du temps, je vais faire un tour, voir si j'ai pas besoin d'enlever les palettes. Parce que ça va assez vite, hein, les oies, regardez. Vous voyez, on a déjà, voilà, une palette. On va enlever la palette de lapin. Hop. On fera une de plus. Ah, ça va en faire de la viande. Ça va nous faire pas mal de sous, ça. Voilà. Hop. On va aller voir. Merde, c'en est où autrement au niveau du truc, là? Là, on est à 600. Et l'eau, elle est à... L'eau, elle est, elle est, elle est... Merde, c'est là. Pardon. 696. On va aller voir les oies. Mais les oies 706. Là on est à 1000, donc on va plein. Hop. Allez, ça en fait une quatrième. Vous voyez, ça va en faire quand même pas mal aussi. Hein. Ça fera déjà 7 à emmener. Donc on prendra le camion de la. Prends un autre camion pour emmener les palettes à Klaus. Parce que je vous rappelle que Klaus s'occupe des moutons et moi je m'occupe de la partie forestière. Du coup, la trémie est pleine, je crois. Après, nickel, on va finir le champ en plus, impeccable. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment une très jolie carte. Hein. Ah merde, t'es allumé le con. Ah oui, on va faire un peu. Ah ouais, on va peut-être bien faire une benne. Ouais, si, si, une benne bien pleine. Ouais, si, je pense qu'on va faire une benne. Ça nous fera déjà pas mal de réserves. Bon, oui, bah il y en a bien assez parce que là j'ai mis qu'un godet. Vous voyez, on fait déjà, je sais pas combien de palettes. Ça fait déjà pas mal. Allez, hop, après on peut arrêter éventuellement les oies et lapins et se concentrer seulement sur les moutons. Puis après on verra si on se développe, on déménagera après, on arrêtera les moutons et on ira voir les vaches pour découvrir un petit peu la ferme des vaches ou les cochons éventuellement, passer aux cochons après. Si bien sûr je continue dessus, mais c'est bien parti pour que je continue dessus en solo. Voilà. Oh putain, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il m'a laissé de la merde au milieu, ce con là. Bon bah voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, et puis bah, on se retrouve pour un prochain épisode. Donc je verrai si ça sera un prochain épisode avec le mode saison ou je referai un épisode avant le mode saison pour finir de tout bien préparer. On verra suivant les commentaires qu'il y aura dans cette vidéo. Je vous dis aimez, partagez, abonnez-vous. Salut Maurice, portez-vous bien.